Salut la famille Airbnb, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te livrer 7 tips, 7 conseils qui sont destinés à toi si tu fais un business sur Airbnb pour cette nouvelle année 2020. Je balance le générique comme tu le sais et on se retrouve juste après. Alors, avant de démarrer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu. Ça m'encourage à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur l'immobilier. D'ailleurs, je t'invite aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint cette chaîne tout simplement en t'abonnant. Tu vas voir, il y a un bouton, tu cliques et ça te permet de t'abonner à cette chaîne YouTube, une chaîne où je livre de nombreuses vidéos toutes les semaines sur l'immobilier, la sous-location professionnelle, sur comment monter un business autour d'une conciergerie Airbnb. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je t'ai préparé trois bonus gratuits à télécharger tout en bas dans la partie description. C'est trois formations gratuites sur trois domaines qui sont liés autour de l'immobilier, mais avec des thèmes différents. Le premier, c'est sur l'investissement locatif. Si toi, tu es un profil investisseur et que tu veux booster ton cash flow, eh bien, je t'ai préparé une formation où je t'explique plein de choses, notamment sur eh bien, comment remplir ton calendrier, comment automatiser les tâches qui peuvent te paraître chronophages. Deuxième formation gratuite sur la sous-location professionnelle immobilière. Si toi, tu ne peux pas avoir à recourir aux banques et que tu veux eh bien, te lancer dans l'immobilier sans avoir donc eh bien, d'apport, sans avoir à recourir aux banques, eh bien, tu peux faire de la sous-location professionnelle et immobilière. Pour ça, c'est pareil, je te prépare une formation totalement gratuite. Et enfin, si toi, tu souhaites lancer un business autour de la conciergerie Airbnb, je t'ai préparé également une formation de 2h30 sur comment monter ce type de business. Aujourd'hui, donc, on va parler des mes sept tips que je vais te livrer pour toi qui fais déjà un business sur Airbnb ou qui va lancer ton business très prochainement sur Airbnb pour cette année 2020. Alors, tout d'abord, la première chose, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, le business en 2020, il va clairement s'intensifier, la concurrence va s'intensifier, c'est-à-dire que sur Airbnb, il y en a déjà eu beaucoup durant l'année 2019, mais dans l'année 2020, eh bien, on va être sur un marché qui va être encore croissant, c'est-à-dire qu'on aura encore plus de listings, encore plus d'annonces. Et donc, c'est un marché où la compétition va être encore plus féroce. Donc, il va absolument falloir que tu te prépares par rapport à ça et que tu… et donc, on va le voir juste après. Je vais te livrer mes 7 tips, mes 7 conseils pour cette année 2020. Mais ce que je veux te faire comprendre et l'introduction de ça, c'est vraiment que tu te dises que déjà en 2019, donc il y a eu de plus en plus de listings. Si on constate, si on regarde les statistiques sur toutes les villes et même sur un plan plus local, on voit bien que il y a de plus en plus d'annonces, il y a de plus en plus de concurrents et donc du coup le marché va se tendre et donc ça va être un marché qui va être plus difficile et il y aura que les meilleurs qui vont rester. Autant il y a quelques années de ça, et même encore l'année dernière, c'était facile de lancer son listing et derrière pouvoir espérer du bon cash flow, comme on l'aime et comme je l'aime et comme j'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube. Mais autant l'année 2020 va être une année où voilà, la compétition va être beaucoup plus féroce, donc il va falloir que tu sois vraiment professionnel, il va vraiment falloir que tu fasses les choses dans les règles, sinon ça ne sera pas un business qui sera suffisamment rentable pour toi. Et du coup, eh bien, voilà, ça risque peut-être même de pas aboutir aux objectifs que tu t'es fixé. Donc ça, c'est la première chose. Donc voilà, la première chose, c'est vraiment, dis-toi bien dans ta tête que le business va se densifier en fait. Le marché va se tendre, il y aura de plus en plus de concurrents, une concurrence de beaucoup plus féroce qu'avant. Et donc du coup, il va falloir que tu sois prêt par rapport à ça, que tu sois réactif. Donc la deuxième chose, le deuxième tips, mon deuxième conseil, ça va falloir que tu améliores ton marketing. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment que ton annonce soit parfaite, que tu suives notamment toutes les recommandations que je peux livrer sur cette chaîne YouTube. Je te livre régulièrement des informations par rapport à ça. J'en livre aussi beaucoup plus et on va beaucoup plus dans le détail dans le cadre de mes formations. Et d'ailleurs, je vais mettre à jour de plus en plus mes formations pour accentuer là-dessus. C'est-à-dire que le marketing devient vraiment quelque chose de primordial si tu veux réussir sur Airbnb et d'autant plus sur l'année 2020. Il va vraiment falloir que, alors on en parle plein de fois, mais que les photos soient vraiment des photos professionnelles, mais il n'y a pas que ça. Il va vraiment falloir que tu travailles aussi le descriptif de ton annonce. Il va falloir que tu travailles aussi les photos, quel type de photos tu veux plutôt mettre en avant par rapport à d'autres. Peut-être voir aussi eh bien, la décoration dans ton logement. Il va vraiment falloir que tu améliores ce marketing, puis surtout que tu regardes un petit peu ce que font tes concurrents. Tu vas voir qu'il y a déjà beaucoup de concurrents qui font beaucoup de choses. Et donc, l'idée, c'est que toi, eh bien, tu sois meilleur qu'eux.
très clairement, et que donc du coup le marketing soit vraiment, vraiment quelque chose qui soit primordial pour toi. Qui dit un bon marketing dit derrière eh bien un trafic plus important sur tes annonces. Qui dit un trafic plus important sur tes annonces dit eh bien des réservations de manière beaucoup plus importante. Donc ça, c'est primordial et ça fera vraiment partie des choses sur lesquelles je reviendrai durant toute l'année 2020 et durant des vidéos que je vais publier sur justement comment améliorer le marketing, hein, donc sur ton annonce, donc la description, les photos, aussi toutes les petites choses que tu dois pouvoir proposer à tes voyageurs qui font que ton annonce, eh bien, ça va la rendre la plus attractive possible. La troisième chose qui est vraiment importante aussi, c'est qu'il va falloir que tu arrêtes avec tes fausses croyances. C'est l'année où tu dois absolument te remettre en question. C'est l'année où tu dois arrêter de croire que ça se passait comme ça auparavant, ça se passera comme ça sur l'année à venir. Les choses ont changé. Écoute tes voyageurs. Sois le plus confident possible avec eux. Sois toujours à leur écoute, toujours en adéquation avec eux. Quand ils te posent des questions, quand ils te demandent des choses, tu leur réponds tout le temps oui, c'est possible. Je vais pouvoir vous mettre ça en place. Il faut absolument que tu arrêtes tes fausses croyances parce que tu crois que ton appartement c'est le meilleur au monde. C'est le plus joli au monde, c'est le mieux décoré au monde, c'est le... Oui, peut-être, mais peut-être pas, parce qu'il y a sûrement des listings et des annonces qui sont nettement meilleures que les tiennes. Donc, c'est important que tu stoppes tes fausses croyances, tout ce que tu pensais auparavant, tu oublies tout ça. Cette année 2020, c'est vraiment une année où tu te remets en question et tu te mets en relation avec tes clients, tu restes à leur approche, à leur écoute et du coup, toi, tu t'adaptes. Tu t'adaptes au marché, le marché va changer, le marché va évoluer, comme je te l'ai dit, il y a de plus en plus de concurrence. Donc, c'est le moment ou jamais d'arrêter toutes ces fausses croyances, tout ce que tu pensais qu'il fallait faire ou pas faire dans ta location Airbnb. Bah, cette année, ça va peut-être changer, peut-être des choses qui vont évoluer. Des nouvelles demandes de tes voyageurs. Je pense par exemple un truc tout bête, mais tu vois, je vais donner un exemple concret. Il y a quelques années de ça, tu vois, moi je disais, bah oui, il faut essayer de vendre des services à côté, notamment par exemple, si tu as une place de parking à proposer à tes voyageurs. Je disais, bah voilà, tu peux proposer par exemple pour 5 euros par jour ou 10 euros par jour, tu proposes une place de parking. Si, imaginons, ta copropriété, tu as une place de parking qui t'est dédiée, eh bien, c'est la louer, hein, donc la faire payer à tes voyageurs. Cette année, ça ne va pas être la bonne chose. Cette année, franchement, il faut l'offrir. C'est quelque chose que tu dois au contraire le mettre dans ton… Donc là, c'est le côté plus marketing. Tu dois absolument mettre ça en avant comme quoi toi, tu as une place de parking et que tu leur mets à disposition gratuitement. Ça va clairement favoriser déjà la prise de réservation beaucoup plus longue. Je vois, j'ai des personnes que j'ai accompagnées dans leur investissement locatif, tu vois, rien que le fait qu'ils disent qu'ils aient justement une place de parking à offrir, eh bien, ils ont pris des réservations de une semaine. Ils ont quelqu'un qui va venir maintenant toutes les semaines réserver leur logement parce qu'il sait que derrière, il y a une place de parking et que cette place de parking, elle est, eh bien, dans la copropriété, elle n'est pas sur la rue. Et donc, du coup, bah, lui, c'est un commercial, il a des échantillons, il a des produits dans son véhicule et donc, il n'a pas envie que son véhicule soit vandalisé. Donc, il voulait absolument un endroit sûr. Et bah, là, voilà, clairement, tu vois, on ne leur fait pas payer donc, eh bien, cette place. Mais par contre, à côté de ça, eh bien, c'est un client qui va du coup réserver régulièrement cette année 2020 et c'est ce qui va faire la différence avec tes concurrents. Eux vont encore rester sur l'ancien schéma où il faut vendre un maximum de choses en parallèle. Bah, là, effectivement, toi, c'est quelque chose que tu vas plutôt offrir, mais tu vas prendre des réservations en compensation. Puis rien ne t'empêche, eh bien, du coup, soit d'augmenter un petit peu tes tarifs ou alors de maintenir le prix que tu avais les années précédentes. Mais voilà, au moins, toi, tu vas faire la différence et ça va te permettre de prendre plus de réservations. Donc, arrêtez toutes ces fausses croyances. On se remet à zéro, on reprend tout à zéro, on vérifie ce qui se passe, le marché, on analyse nos concurrents. Très important. La quatrième chose, cette année, il va vraiment falloir que tu sois dans le dynamic pricing, c'est-à-dire que tes prix soient calculés automatiquement et que tu aies une politique de prix, ce qu'on appelle le yield management aussi en un autre terme. C'est donc une politique de prix qui va changer en fonction de la saisonnabilité, en fonction de la semaine, en fonction du jour de la semaine, en fonction de plein de paramètres. Pourquoi je te dis ça? Parce que bah, c'est vrai qu'il y a quelques temps de ça, tu fixais un prix, encore quelques années de ça, mais bien que 2019, on a déjà, il faut aller vraiment déjà être dans cette dynamique-là, sinon franchement, c'était vraiment compliqué. Mais les années précédentes, bah, c'est vrai que tu fixais un tarif à la nuitée et puis finalement… Voilà, ça réservait un peu comme ça. Il n'y a pas trop besoin d'adopter une politique tarifaire. Mais là, autant auparavant, l'année 2019, c'est vrai qu'on l'a fait beaucoup par rapport à des saisonnabilités. Donc, genre notamment, je vois sur ma ville, bah, on a le mois de juin, c'est 24 heures automobile. Donc, c'est vrai que
On a une grosse saisonnabilité sur cette ville-là, mais la saisonnabilité, c'est aussi eh bien, dans la semaine. Il y aura des jours de semaine qui vont se réserver mieux que d'autres, et donc il faudra avoir des politiques de prix qui soient différentes. Moi, je vois par exemple sur deux villes, c'est le dimanche. Hein, effectivement, le dimanche, c'est vraiment compliqué à prendre des réservations. Bon, bah là, tu vois, il faut avoir une politique de prix qui s'adapte par rapport à ça. Donc, très important, c'est vraiment cette année, il faut que soit tu le fasses voir par toi-même, si tu n'as pas beaucoup de listings à gérer, eh bien que tu arrives à adopter des politiques de prix de dernière minute. Sache aussi que sur Airbnb, c'est possible. Il y a un moyen maintenant de paramétrer ça directement dans l'application Airbnb. Donc ça, c'est vraiment cool. Ou alors après, tu peux t'aider aussi de sites internet comme Beyond Pricing. Je ne sais pas si tu connais. C'est un site internet eh bien, où ils prennent 1% de ton chiffre d'affaires, mais en contrepartie, tu as un outil qui vient calculer. Et ce qui est super avec cet outil, c'est qu'il est calé, il se cale en fait par rapport à des données qu'il a collectées. Il ne l'invente pas comme ça. Et en fait, il te fait des propositions de tarifs et qui sont vraiment spécifiques à ta ville. Donc c'est pas juste uniquement sur la France, c'est vraiment spécifique à ta ville. Donc du coup, tu as vraiment des prix qui sont dynamiques et qui sont optimisés pour vraiment chaque jour de la semaine. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc tu vois, tu as des outils qui existent par rapport à ça. Il y en a un autre, je l'ai plus en tête, mais il y a un autre outil qui fait exactement la même chose. Donc étape numéro 4, c'est vraiment donc le dynamic pricing, donc qu'il y avoir des prix qui soient dynamiques. L'étape numéro 5, ça va être ne pas être uniquement sur Airbnb. Alors, c'est vrai que moi, je suis un grand fan, comme tu le sais, sur cette chaîne de Airbnb. J'adore Airbnb. Je fais beaucoup de business avec Airbnb, très clairement. J'ai amené beaucoup de propriétaires à faire beaucoup de business avec Airbnb. Mais tous ceux que j'ai accompagnés les années précédentes et que je revois cette année, eh bien, avec qui je suis en contact, eh bien, je leur dis cette année, tu ne dois pas être uniquement sur Airbnb. Tu dois aller maintenant sur Booking.com et peut-être même d'autres plateformes. Alors, je te dis pas d'aller sur une toute petite plateforme, mais il va falloir vraiment que tu commences à te diversifier parce que le souci, c'est qu'aujourd'hui, comme je te le disais, il y a une concurrence qui est super forte et si tu n'es pas sur des multiples canaux, eh bien, tu peux passer à côté de réservations, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Effectivement, il y a quelques temps, tu pouvais tout faire sur Airbnb. Moi, j'ai encore des listings, hein, des annonces qui sont uniquement sur Airbnb et je remplis mon calendrier, il n'y a pas de problème. Mais on sent qu'il va falloir être prêt quand même et qu'il va falloir commencer à, voilà, à te mettre sur d'autres plateformes. Donc, je te recommande très sincèrement Booking.com. Parce que Booking.com a énormément évolué. Le fonctionnement s'est rapproché très fortement d'Airbnb. Donc, c'est vrai que maintenant, c'est une plateforme qu'il faut vraiment utiliser parce qu'elle est optimisée et elle est vraiment prévue aussi pour location courte durée, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Donc, franchement, l'année 2020, profites-en, va sur Booking.com, va aussi en fonction de la ville où tu habites, en fonction du pays où tu es, et bien peut-être sur d'autres plateformes qui pourraient aussi t'apporter du trafic et donc t'apporter plus de réservations. Mais voilà, l'année 2020, si tu sens que tu as un peu moins de réservation, commence à envisager peut-être aller sur d'autres plateformes, c'est vraiment très important. Donc ça, c'était l'étape donc, numéro 5. L'étape numéro 6, ça va être prêt pour ton business. Ce que je veux dire par là, c'est que donc faire du Airbnb, tu as bien compris, c'est du business. Hein, c'est du business comme un autre. Autant auparavant, c'était plus de la finalement de la location d'appartements ou de la création d'annonces qu'on mettait pour rechercher des locataires, donc pas vraiment dans le sens business, mais maintenant c'est vraiment un business, faut vraiment que tu le vois comme ça. Donc je veux dire quoi par là? Je veux dire qu'il faut vraiment que tu sois au top avec tes finances, que tu aies bien fait ton business plan, qu'est-ce que tu espères gagner, quelles sont réellement tes dépenses et que tu tiennes ça à jour tous les mois. C'est vraiment super important parce que c'est un business, donc comme une entreprise, eh bien, il faut vraiment que maintenant tu te comportes comme un chef d'entreprise, c'est-à-dire que eh bien, tu fais tes tableaux de bord sur tes projections à l'année, au mois, qu'est-ce que tu espères comme chiffre d'affaires, quelles vont être tes dépenses, quelles sont les dépenses peut-être que tu vas engager qui vont être des dépenses peut-être plus dans le marketing, tu vois, pour optimiser ton annonce ou peut-être pour faire un peu de publicité pour eh bien d'apporter du trafic sur ton annonce. Bref, il va falloir que tu vraiment que tu fasses un budget, hein, clairement, comme si c'était une entreprise, que tu aies un budget par rapport à ton annonce Airbnb et puis que voilà, tu te dises bah moi j'ai tant de dépenses, j'ai tant de recettes, je prévois tant de recettes. Derrière je me prévois un petit budget peut-être pour refaire certaines choses dans mon appartement, peut-être pour racheter du mobilier ou racheter des équipements ou peut-être racheter un peu de décoration, parce que tu sens que ça est en train de peiner un petit peu. Tu vois, il faut que tu te prévois des budgets par rapport à ça. Et donc bah, c'est vraiment le fonctionnement d'une entreprise classique. C'est-à-dire c'est un système où tu as un budget et derrière eh bien, tu restes dans ton budget pour faire en sorte que ton année se passe très bien avec des objectifs à atteindre bien entendu, avec des dépenses à ne pas dépasser. Et du coup, tu vas en te fixant tout ça, eh bien, ça va faire que ça sera une année qui sera positive pour toi. Donc, l'étape numéro 6, c'est vraiment ça, c'est tu dois te comporter maintenant, tu dois vraiment voir ton activité sur Airbnb comme un business. Donc, c'est le business Airbnb, c'est plus je loue mon appartement sur Airbnb.
comme si je louais mon appartement en meublé à l'année. Maintenant, c'est un vrai business, quoi. Donc, c'est super important que tu sois vraiment, que tu le vois vraiment comme ça, psychologiquement. C'est vraiment important pour que du coup, tu aies vraiment ce mindset d'entrepreneur, ce mindset de chef d'entreprise qui pilote son entreprise pour faire en sorte que ton activité soit sur Airbnb soit vraiment un business, quoi. Enfin, l'étape numéro 7, ça va être la toute dernière. Enfin, pas l'étape numéro 7, mon conseil numéro 7 et du coup, mon tips, quoi, vraiment ce que je te recommande pour cette année 2020, c'est qu'il va falloir que tu t'entoures des bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir que tu restes tout seul cette année, il va vraiment falloir que tu rejoignes des groupes, soit d'investisseurs ou des groupes de personnes qui font du Airbnb. Si notamment tu as rejoint mes formations, ben nous on a un groupe, hein, vraiment on est tous ensemble dessus, on s'entraide sur comment optimiser nos annonces, on se donne nos conseils. Tu vois là récemment j'ai une personne qui demandait ben, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des petites choses à arranger. Donc moi je lui ai dit ben, oui il y a ça et ça qu'il faudrait que tu modifies pour que derrière ton annonce soit vraiment optimale. Donc cette année, c'est vraiment une année où tu dois t'entourer. Soit il faut que tu prennes un mentor, quelqu'un qui te coach, quelqu'un qui qui t'aiguille, soit tu te rapproches de groupes Facebook, il en existe beaucoup, sur Airbnb où du coup tu vas pouvoir poser tes questions. Mais bref, il va falloir que tu t'entoures et que tu sois avec des personnes qui sont dans le même délire que toi, qui voient les choses comme toi, qui font pas ça comme ça par hasard, qui font vraiment en mode entrepreneur, en mode donc investissement locatif. Hein, et du coup, eh bien… Cette année, c'est vraiment une année importante, comme je te le dis. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, qui dit beaucoup de concurrence dit qu'il va vraiment falloir que tu t'entoures de bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider et qui vont permettre d'avancer et de faire en sorte que ça soit une bonne année pour toi. Si tu restes tout seul dans ton coin, encore une fois, tu vas rester avec tes fausses croyances et tu vas pas évoluer. Et sauf que le business, il évolue. Et c'est comme tout business. Le business, il évolue. Et la pire des choses qui peut arriver quand tu es entrepreneur, c'est de te laisser surprendre, c'est-à-dire de rester sur tes acquis, penser que ce que tu as fait l'année dernière, bah, ça sera la même chose cette année. Eh bien non. Moi, je peux te le dire par expérience, je fais du Airbnb depuis plus de 5 ans maintenant. Je l'ai fait dans des villes autres que la France. Les villes ont bougé énormément. C'est des villes qui ont énormément bougé et il a fallu s'adapter. C'est plus du tout ce que c'était. La demande n'est pas la même. Les choses évoluent, la demande des clients n'est pas la même. Donc tu vois, si on reprend tous les points que je te donnais, c'est… Arrête tes fausses croyances, écoute tes clients, vois vraiment ça comme un business, fais-toi aider, approche-toi de mentors ou peut-être de personnes, de conseillers qui vont t'aider dans tes choix ou partage ton expérience avec d'autres personnes pour que du coup, eh bien, en retour, eux aussi partagent leur expérience. Et le fait de faire tout ça, eh bien, ça fait que tu es quelqu'un qui va évoluer avec son temps, parce que c'est encore une fois, c'est un business. Et quand tu es entrepreneur, quand tu es chef d'entreprise, tu dois évoluer avec ton temps parce que les choses évoluent et donc toi, il faut que tu évolues. Et la seule manière d'évoluer, c'est eh bien, se former, c'est partager son expérience avec d'autres personnes, c'est s'entourer peut-être d'un mentor, c'est aussi eh bien, partager des groupes de discussion pour que justement eh bien, tu puisses évoluer. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu te faire voir et te faire comprendre que l'année 2020 est une année importante. J'espère qu'elle a pu t'inspirer aussi cette vidéo, qu'elle va t'aider. Et surtout, n'hésite pas à laisser tes commentaires, n'hésite pas aussi à la partager à des personnes qui sont comme toi, qui font du Airbnb. Ça peut être important voilà, de leur faire comprendre ce message-là. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !